Allez, on est parti avec Alto. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue sur Gaming News, Spelunky 2. Vous êtes bien avec Wack. J'espère que votre journée se passe mieux que la mienne. Ouais, je suis obligé de faire des runs, Spelunky. Imaginez un peu l'angoisse. On change de personnage. Je joue Alto, qui est un genre de fakir. Très sympa. Alors, sous ses airs de taliban, c'est un mec extra. Allez, casse-toi. Ah, voilà, il y a des petits. De temps en temps, il y a des petites bestioles qui sont cachées derrière ces draps là. Il faut toujours faire attention. Et évidemment, il n'y en a jamais quand je fais attention. Et dès que je me dis non, ça va aller, il y a boum, il y en a un. Toujours pareil. On a une petite caisse là-dessous. Ce serait bien qu'il y ait des choses intéressantes. Notre petit Médor est juste à côté de la sortie. On va l'amener tout de suite. J'ai vu que la jarre fantôme n'était pas loin non plus. Mais en fait c'est paradoxal parce que c'est un objet qui vaut vraiment rien en boutique, qu'on utilise quasiment jamais parce que les chutes de longue distance n'ont quasiment jamais lieu, mais c'est évidemment quand on n'en a pas qu'on en aurait eu besoin d'un. C'est un peu comme avec les bestioles derrière les tentures. Ici et Yann, il est de toute façon protégé par un mur, mais ça peut valoir le coup de mettre une petite bombe si jamais je peux en acheter en dessous. Qu'est-ce que ça dit? Non. Bon, par contre, il y a une pioche et je peux peut-être même avoir un peu d'argent pour m'acheter le jetpack. Donc, ça peut valoir le coup. Allez, on se fait ça. Ouais, tu restes là. Toi. Tu restes là aussi. Vraiment le coup, c'est un pire investissement que j'ai pu faire. En même temps, 30 000, j'ai pas assez. Si, je devrais avoir assez pour acheter le jetpack et la pioche. Et puis en plus, il y a un peu d'argent qui m'attend en dessous. Toi, tu vas pouvoir aller dedans directement. J'ai même de quoi m'acheter la boussole en plus. Ouais, c'est magnifique tout ça. Alors non, je n'ai pas cassé cet endroit-là parce que sinon la jarre serait tombée toute seule et ce serait cassé immédiatement. Ce que je n'ai pas du tout envie de faire pour l'instant.
Et voilà. C'est le problème du jetpack, c'est que il est pas infini. On peut quand même se tuer à cause de lui. Bon, après je suis à 3 vies. Content. Celle que je viens de mettre en sécurité, ça fait 4. C'est pas mal. Voilà, la porte est pas ouverte parce que évidemment je n'ai pas fait de trou de l'autre côté. Donc ça sert à rien d'essayer d'aller voir ce qui se passe. Supplémentaire, et comme on va à Vulcania, ça n'est pas de trop. De toute façon, où qu'on aille, ça n'est jamais de trop. Donc, il va finir par se prendre un coup de pioche dans la figure, ça va lui faire bizarre.
Oh bah il s'est déjà cramé, d'accord, bien joué. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a juste des cornes. Enfin, je vais bien t'acheter des cornes, j'ai besoin d'un peu plus que ça. Mais... Et en même temps... Ouais, je sais pas. Je prends la clé. Et je parie que j'aurai besoin de la pioche pour aller à cet endroit. C'était évident. Sans le jetpack, ça aurait été impossible. J'espère que je reste assez de coups de pioche pour faire tout ce que je veux. Parfait. Ouais, j'en profite pour essayer de miner un petit peu parce que faut pas déconner quand même. Voilà, toi, t'es plus en danger. Bonjour cher ami. D'ailleurs j'ai jamais essayé. Ah, ça c'est génial. J'ai bien fait de m'arrêter, tiens, punaise. J'aurais eu des bombes, je serais allé chercher la bestiole, mais là, j'ai vraiment rien. J'ai pas les moyens de penser. Bêtement, mes sous. C'est pas des sous, c'est mes bombes. Mais ça... On m'aura compris. Tu étais là, toi. Série de bombes d'acier, mais la sortie est juste en dessous. Je vais pas m'amuser à faire le con. Voilà. Hop. L'intéresserait c'est d'aller pouvoir aller voir le mec avec ce, avec cette monture. Ah, attends. Parce que si, ça peut me permettre de gagner un peu de temps pour le raccourci. Autant en profiter.
mais je suis au niveau de Vlad là. Je suis juste avant Vlad. On s'en fout. L'objectif là c'est d'amener la monture jusqu'à la sortie d'un mec. C'était intéressant. Tant pis pour cette fois.